Yo les amis, ici Zambi, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo en pleine nature, j'ai envie de dire. Donc il y a des voisins qui risquent de me regarder, de se dire mais qu'est-ce qu'il fait ce gland. Donc le sujet de cette vidéo, c'est que je voulais vous parler vite fait de 2-3 trucs. Ouais, je dis vite fait parce que je suis en train de me faire ruiner par les moustiques. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez fourni. Que vous m'avez fourni jusqu'à maintenant sur la chaîne, étant donné qu'on a dépassé les 1000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous remercie beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté, c'est très très important pour moi. Je voulais juste parler des chaînes qui sont un peu comme la mienne, quoi, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui font des vidéos à peu près de qualité, on va dire. Je trouve que c'est malheureux que les chaînes, les petites chaînes comme la mienne, ou pire que la mienne encore, ne soient pas assez mis en avant, quoi, sur la plateforme. Donc je vais un petit peu marcher, histoire d'avancer un peu et de rentrer au QG. Comme ça, si on a le temps, je vais vous montrer vite fait mon nouveau décor. Il faut monter la pente, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu galère. Ouh. Surtout que quand on n'est pas très sportif comme moi, enfin je fais du sport chaque semaine, mais je viens d'arrêter de fumer il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, c'est un peu la galère. Et oui, si vous ne savez pas, mes chers amis, sur la plupart de mes vidéos, on me voit en train de fumer la clope. Ça fait plus de 10 ans que je fume la cigarette. Et j'ai arrêté il y a 3 mois. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça un jour, je sais pas, sur ce sujet, pour vous expliquer comment j'ai fait pour arrêter de fumer. Donc voilà, bon, c'est un petit peu inhabituel comme vidéo, c'est une vidéo un petit peu à l'arrache. Voilà, alors là je rentre dans le quartier général. J'étais un petit peu descendu. Ah, j'ai investi un petit micro-cravate aussi, c'est pour ça que vous m'entendez plutôt pas mal niveau qualité audio. Vous voyez le petit micro-cravate là? Voilà, bon, même s'il y en a qui s'en battent les couilles, c'est pas grave. Donc les amis, voilà, juste avant de vous montrer le nouveau petit décor, je voulais revenir sur les chaînes en fait. Tout ça pour vous dire que j'ai mis les liens en description de chaque chaîne qui à mon goût ne sont pas assez connues. C'est des chaînes qui méritent beaucoup plus. Ces gens méritent d'être plus vus, franchement. Moi ça fait des années que je suis sur YouTube. Franchement la commune que j'ai construite jusqu'à maintenant, j'ai pas mal galéré. Tu vas la fermer sa gueule ce putain de chien? Tu vas la fermer ta gueule? Donc du coup vous êtes prêts à voir le décor? Allez. Voilà. En fait, le décor, c'est mon terrain, tu vois, c'est un sacré bordel, on dirait un terrain de gitan. C'est pas vraiment un décor pour ma chaîne YouTube, hein, je vous rassure, hein. C'est juste que mon terrain, c'est une vraie décharge. Et du coup, il y a de tout. Il y a des palettes, des panneaux de signalisation pour les travaux. Donc là, on rentre dans la forêt de Sherwood. Attends, je sais pas si vous allez voir, mais il y a mon frère qui est en train de jouer à la console, là-bas. Il est là où il y a le volet là-bas, là. Vous voyez ce petit volet là? On va se rapprocher un peu. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que je me fais piquer là. Ah, je me fais ruiner. Minecraft! Minecraft! Ta gueule! Je sais pas si vous avez entendu mes chers amis, mais il vient de me dire ta gueule. Voilà. Vous voyez où elle est l'autorité? J'ai 30 ans et mon petit frère me dit ta gueule, tu vois. Voilà, c'est un truc de fou. Donc du coup, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, mes chers amis. Là, j'avais envie de me vider un peu l'esprit, de lâcher un peu du poids, quoi, si on peut dire. Quand je dis lâcher du poids, c'est pas chier un coup, bien sûr. Putain, je suis en train de me faire ruiner par les moustiques tigres, sa mère. Ils sont mauvais. Hein. Ils sont très très mauvais, les moustiques tigres. Ah, je sais pas si vous en avez, vous. Et en tout cas, nous, dans le sud, on se fait défoncer notre race. Je me suis fait piquer de partout, alors je sais pas si on peut voir. Mais je crois que j'en ai éclaté un avec la main tout à l'heure. Et je dois avoir du sang, là, quelque part, là. Là, du sang entre les doigts, là. Je sais pas si vous voyez, là. Bon, du coup, voilà, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre mes petites aventures sur Gmod et sur les jeux que je fais en général, ou les petits courts-métrages, etc. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous, portez-vous bien.